à l'école. Choupi à l'école. Choupi marche vers l'école avec papa. Dans son petit sac à dos, il a mis son doudou et un paquet de gâteaux. Avant d'entrer dans la classe, Choupi enlève son manteau et l'accroche au porte-manteau. Puis il pose Doudou dans le panier à Doudou. La maîtresse est déjà là. « Bonjour Choupi !» Choupi dit au revoir à papa et il rejoint son copain, Pilou, qui fait de jolis dessins. Sur une feuille, Choupi commence à dessiner avec des feutres. Un peu plus tard, les enfants font un parcours de motricité. Il faut rouler sur un tapis, marcher sur un banc et lancer un ballon. Choupi a tout fait sans tomber, il s'écrie. « Je suis un champion !» Dring, la cloche sonne, c'est la récréation. Dans la cour, on peut faire du toboggan ou du vélo. Avec les copains, on s'amuse bien, même s'il y a parfois des petites disputes. En revenant dans la classe, Choupi fait un exercice pour apprendre les chiffres. Il entoure des fraises sur son cahier. 1, 2, 3, 4, 5. Il sait bien compter. C'est l'heure de manger. À la cantine, Choupi s'assoit à la table de Pilou et Lalou. Il y a des concombres en entrée, une poire en dessert et comme plat, du poisson pané des petits pois. Youpi ! S'exclame Choupi. Après le repas, les petits vont faire la sieste. Choupi enlève ses chaussures et s'allonge sur son lit. Parfois, c'est un peu difficile de s'endormir. Heureusement, il serre Doudou contre lui. Après la sieste, la maîtresse a préparé des petits ateliers. On peut faire de la peinture ou de la pâte à modeler. Choupi prend un pinceau et enfile son tablier. Il a plein d'idées. À la fin de la journée, la maîtresse lit une histoire. Elle choisit un livre et tout le monde s'installe autour d'elle sur des petits coussins. Choupi écoute bien. Dring, c'est l'heure des mamans et des papas. Choupi court vers sa maman et saute dans ses bras. « Maman, j'ai un dessin pour toi !» Fin de l'histoire.